Je vous propose une petite rubrique. On va passer ça sur un autre sujet. Alors, je vais vous montrer une photo. Tac, je l'affiche. On va avoir peur. Non. Enfin, on sait jamais, prépare-toi quand même. Alors, est-ce que vous avez sûrement dû déjà croiser cette photo? Oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a quelques temps sur Oui. Internet, quand on tapait monocycle, on trouvait cette fameuse photo sur Internet. Et ce monocycle, on n'a jamais vu nulle part, qu'on n'a jamais croisé. Bah non. Eh ben, non. Et à ton avis, pourquoi, Nicolas, on ne l'a jamais croisé, ce monocycle? Parce qu'il n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas. Et ben justement, c'est ce que j'ai essayé de savoir si vraiment il y a un prototype, si vraiment il y a quelque chose, ou si c'était une blague, quoi que ce soit. Donc, D'accord. j'ai fait des recherches, et je vous avoue que j'ai passé pas mal de temps, mais j'ai trouvé des trucs assez marrants. D'accord. Donc dans un C'est premier bien. temps, on tombe sur un site. Je dois l'avoir quelque part. Ça va être celui-là. Voilà, ce site-là, qui est un site de caisse à savon. Alors, grossièrement, qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, on retrouve cette image-là. Il raconte qu'ils veulent... En fait, eux, ce sont des gens qui organisent en Amérique des courses de caisse à savon sur une piste bien particulière et qui, chaque année, créent un événement et font des descentes comme ça. L'idée, c'est que les gens créent leur caisse à savon, viennent sur le circuit et on voit qui arrive le plus vite possible. Et là, ils sont en train de faire un petit article en expliquant qu'ils vont, du coup, pour l'année qui suit, qu'ils étaient en train de développer un nouveau moyen de faire du coup de monocycle en roue libre, donc là on parle bien d'accès à roue libre, sur leur descente pour pouvoir faire la descente de leur truc en caisse à savon. Et du coup, D'accord. bah, ce serait descendre leur pente sans frein avec ils disent à peu près une vitesse d'atteindre à peu près 96 km/h de descente en monocycle, où du coup ils sont basés sur le cycle de course pour faire ça, et avec bah, l'avantage que c'est facile à faire et que ça coûte 2 fois moins cher, évidemment, comme il y a une roue en moins. Oui, forcément. Évidemment. Alors du coup, bah, je suis tombé là-dessus, et du coup, j'ai cherché un peu, et en fait, juste en dessous, ici, bah, il y a un commentaire de la personne qui pose pile la question que je me suis posé, ça, à savoir où est-ce qu'on peut trouver ce monocycle. Et juste en dessous, on a la réponse du site qui répond bah, que malheureusement, il ne le trouvera pas, puisqu'en fait, cet article a été publié un 1er avril et que c'était une blague. Donc, évidemment, bah, je suis un petit peu déçu, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus extraordinaire, mais je me suis quand même dit, bah, cette photo, d'accord, ils ont pris tout ça, mais est-ce que je pourrais pas au moins retrouver la photo originale et savoir d'où est-ce qu'elle Bah vient, cette photo? Alors, j'ai cherché, je vous avoue que j'ai pas mal galéré. Alors, je regarde mes notes vite fait. Et oui, et cette photo, du coup, j'ai cherché et je suis tombé, du coup, assez rapidement sur la photo d'origine qui est... Alors, attendez, il faut que je l'ouvre. Voilà, qui est celle-ci. Voilà, ok. Voilà, donc ça, c'est la photo d'origine. Donc, on la retrouve sur Internet. Et cette photo, du coup, on voit très clairement comment a été fait le photomontage. Hein. Franchement, entre avant et après, il n'y a pas de photo. Ça, c'est la Je me disais photo. que l'ombre est quand même bizarre. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas hésité, quoi. Non, bah Et oui. voilà. Et du coup, je me suis quand même demandé qui était cette personne, cette photo, et comment elle s'est retrouvée à faire du monocycle malgré elle. Et là, c'était la galère. Là, c'était la galère parce qu'en fait, cette photo, a été publiée sans droit d'auteur. Elle est disponible sur toutes les banques de données d'images et on peut la voir disponible gratuitement. Et du coup, beaucoup de personnes s'en servent sur leur site pour la publier et en mettre en image d'illustration. Alors du coup, là, j'ai bien galéré, mais j'ai quand même fini par trouver. Et cette photo a été publiée par le département de la Défense des États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi il publie ça? Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas trouvé tout de suite. Est-ce que vous, déjà, vous avez une idée de pourquoi ils auraient publié ça? Je sais pas là, Ouais, déjà t'es allé très loin pour moi, tu m'as perdu là. j'aime bien aller jusqu'au bout du sujet. Non, Eh ben, tout simplement, en fait, la personne que l'on voit sur cette photo, elle s'appelle... Alors, attendez, là, je promets, parce qu'en plus, tout est écrit en anglais et je ne parle pas un mot d'anglais. Elle s'appelle Mitchell Hall, et tout simplement, c'est une personne de la US Navy. Donc là, on le voit, c'est lui qui est sur le vélo, en fait. Donc on le voit, donc c'est une personne de la Navy qui était hautement décorée, et en fait, il a fait la course Ironman à plusieurs reprises, et cette photo, c'était une course où, en fait, il préparait sa course, et c'est pour ça aussi qu'on peut voir sur son vélo,
Là, il y a d'autres photos. On peut voir sur son follow ici. Sur le cadre, on peut Navy. marquer Navy Seal. C'est parce que tout Ouais, simplement, il a créé un groupe de Navy Seal. Donc, on a encore tout d'autres photos hein, de cette fameuse course. Et donc, voilà. Alors, j'ai été un peu étonné quand même. C'est une personne qui a fait pas mal de choses dans sa vie. Il a fait beaucoup de déploiements dans l'armée. Il a été aussi conseiller sur des films qui touchaient la guerre pour savoir si c'était bien fait, tout ça. Il a fait du coup l'Iron Man à plusieurs reprises, dont une fois où il était assez bien classé. Et du coup, bah, cette personne, du coup, bah, il y a cette image qui est partie et il s'est retrouvé à faire du Moonseek malgré lui. Et moi, je me rappelle. Oui, tu disais. Il s'est retrouvé à faire du mono Ouais, il en s'est retrouvé à faire plus. du mono sans qu'il le veuille, hein. Je sais même pas Pas s'il qu'il est au courant de cette image. Mais ça fait une Et moi, je me rappelle ouais, du coup, de cette image que je voyais au tout début que je commençais mon cycle en me disant, mais est-ce qu'il y a vraiment un cycle comme ça? Et à savoir si c'était possible ou pas. Et ben, on a la réponse. Alors, quelques petites anecdotes quand même dans mes recherches, quand j'ai fait mes recherches pour trouver ce monocycle, j'ai quand même trouvé un site qui le vend. Voilà, donc il y a un site qui vend ce monocycle là Non. actuellement. Voilà, il est ici, il coûte 88 euros. Voilà, donc Bon, du coup, là, tu l'as acheté pour voir? Alors, j'ai vérifié, je sais pas si vous voyez en haut à droite, il y a le logo du panier 1, parce qu'on peut vraiment le mettre dans son panier, on peut vraiment payer, hein, c'est-à-dire que tu peux vraiment l'acheter. Alors, ne le faites pas, je pense que jamais de la vie vous allez recevoir. Et pour Bah, prouver bien votre. sûr. C'est un vélo de vitesse gyroscopique, quand même, C'est un vélo de hein. vitesse gyroscopique. Alors, il n'y a pas d'avis client, hein, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des avis clients. Et du coup, je me suis quand même regardé un peu ce que c'était ce site. Hein. Alors, sur ce site, on peut aussi trouver une chambre air hein, à 88,99 €. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien aussi. On peut aussi trouver un bon d'aide de l'État de 200 euros pour 87 euros seulement. Donc, franchement, c'est une affaire en or. Alors, si vous voulez encore une meilleure affaire, eh ben, il y a un bon à 500 euros. C'est encore mieux, on gagne encore plus d'argent dans cette affaire-là. Et on trouve tout un tas de trucs, hein, si vous voulez, je sais pas moi, de la soupe de feuilles de Pas mal chou. ça. Alors, ils aiment bien les soupes hein, sur ce site, ils aiment bien la nourriture. Hein, comme il en témoigne sur la page d'accueil, on peut trouver hop, trois soupes à autour de 80 euros. Et vous avez remarqué, hein, toujours 88, 87 euros, c'est toujours la même chose. On peut aussi trouver un Uber. Voilà, si vous voulez commander bah, cette jeune personne en Uber pour faire vos livraisons, eh ben elle est là, elle coûte seulement que 87 euros. Ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai mis ce côté, je sais ça, c'est quoi ça? Ah oui, une assurance VTT à 1 euro, qui là seulement une affaire en or, puisqu'elle est à 87 euros, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis, quand même, hein, on va finir avec cette dernière chose. Vous pouvez commander une fille sexy, un jaune de blonde, sur ce site pour seulement 88 euros. Avec de gros seins quand même, hein, c'est pratique. Avec de gros ça, c'est détaillé quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, donc n'allez pas sur ce site, hein, évidemment. Non, bah non, C'est que des mais arnaques. c'est pas un site que de ce c'est pas du second degré, t'es sûr? Comme site? Non, tu peux vraiment payer. C'est-à-dire que tu as vraiment un système de paiement mis en place et tout ça, c'est vraiment. Alors En quand même, fait. Adrien, c'était quand même extraordinaire jusqu'où t'es allé. Je pense que t'es la seule personne au monde qui a réussi à retracer, et c'est fou. Alors, Bravo. T'as résolu la mystère. j'ai quand même regardé un peu. Il y a quand même, on retrouve quand même sur 2-3 forums des personnes qui disent que c'est un photomontage d'une personne qui a fait une course. Donc ça, on l'a, mais il manque la dernière partie. En fait, et en général, ils disent pas qui c'est et d'où elle vient cette personne. Mais sinon, il y a 2-3 personnes comme sur Internet qui l'ont déjà fait. Non, mais Et tu d'ailleurs, m'impressionnes quand oui. Et d'ailleurs, oui, on peut trouver aussi un site qui affirme que ce monocycle existe bien. Voilà, je vous mets juste ici. Voilà, alors il montre hein, les différents cycles. Et du coup, c'est le top 18, voilà, le top 18 des cycles qui existent vraiment, donc qui existent réellement. Et à la fin de cette liste, hein, on peut trouver, si, quand ça va changer, voilà, le monocycle en numéro 18. Voilà, donc il existe vraiment d'après ce site. Hein. Donc voilà, pareil, hein, ne vous fiez pas à ce site, c'est faux, hein, ça n'existe pas. Voilà, donc c'était pour la petite rubrique. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde si j'ai oublié rien. En tout cas, t'as fait le tour de cette question, et je pense Ouais, que là, c'est là j'ai fait le tour de cette question-là, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. bon. Par contre, cette rubrique, faut qu'elle reste. Donc, t'as intérêt à trouver d'autres sujets parce que c'est extraordinaire. Cette Non, faut qu'on pensée-là. t'envoie, il y a deux.
J'adore cette Voilà, il y a d'autres mystères. Oui, alors je vous avoue que quand même j'ai passé quand même pas mal de temps, ça prend pas mal de temps à faire. Je sais pas si je vais retrouver d'autres sujets comme ça, c'est pas évident à faire. Surtout que, T'as mis je combien précise, d'heures? T'as mis combien de j'ai temps? dû mettre, je sais pas, 6-7 heures à donf sur le sujet pour à peu près arriver là, quoi. Extraordinaire. Eh bien, on va te trouver des sujets comme ça, et pas de problème. J'en ai pas mal de photos où je me demandais si c'était vrai ou pas. Donc, on va voir. Avec plaisir, sans moi les photos, j'ai fait les recherches. Alors après, il faut quand même qu'on puisse trouver les informations sur Internet, hein, sinon je suis pas Vas-y, très mais c'est ferme non pas plus. ça sur Internet, mais il y a moyen Non, de mais faut trouver. penser un peu plus de défis, là. Ça a été trop facile. T'as mis que 6-7 heures, quoi. Il y a un moment. Ouais, que 6-7 heures, c'est sûr qu'en plus j'ai que ça à faire de mes journées. Faut qu'on fasse une enquête qui te mène l'année. Oh, ce serait dingue, une vraie enquête de fou, ouais. J'ai peut-être un truc à faire là. Et à la fin, tu vas interviewer le gars. Alors, vous savez que quand on Alors, tape je monocycle, vous êtes rigole, la mais tu première. sais que j'ai vraiment hésité pendant un moment à me dire est-ce que j'irais pas prendre contact avec cette personne? Mais là, je me suis dit non, là, dans tous les cas, je ne parle pas d'un mot anglais donc ça n'aurait pas été possible, mais je me suis posé la question quand même à un moment. Et là, ils nous ont annoncé, et du coup, on invite une autre personne. Et du coup, il est ici, présent avec nous, juste là, bougez pas. Non, Et c'est après, pas tu fais une vrai. vidéo, tu lui apprends vraiment le monocycle. Et tu essayes Voilà. de refaire le même monocycle. Et Et on comme ça, tu refait la refais même photo. Oh, ce serait dingue. Est-ce que là, c'est vrai? Est-ce que là, Rendre c'est vrai? vrai les choses qui sont fausses sur Internet. Oh Magnifique. Très oui! bon. Ce serait C'est incroyable. la fake news. Ouais, j'ai pas les termes L'ancienne anglais. technique. Ouais. Ouais, là, ça fait Sur bien une. parce que ça date un peu quand même. Mais on trouve encore sur Internet. Hein, je crois que si j'ouvre Ah si, un onglet. Si j'en ouvre un onglet et qu'on fait, je crois, monocycle de course. t'es en mode Ouais, prévu. navigation clé. Je pense que si on fait monocycle de course, voilà. Ouais. Hop, direct ici, en deuxième image, c'est encore bien présent, quoi. Quand on fait monocycle de course, Juste elle est encore monocycle bien ou là. Monocycle juste de monocycle course. ou... Ah Parce ouais, que monocycle. juste monocycle, je crois qu'il y a toutes les marques de mono qui sortent leur Ah image ouais. de monocycle. Donc elle n'est pas présente aussitôt. Mais Non. Ouais, c'est fou quand même. ouais, elle est. Mais monocycle de course, elle est à deuxième image. C'est allié, quoi. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour du sujet. Là, je crois qu'il n'y a plus rien à dire.